Il vaut mieux me faire confiance. Ce genre de long métrage, même si c'est plus qu'un simple film d'action, ça se rapproche surtout d'un immense test physique. C'est du sport. Et en ce sens, c'est très difficile. Mais pour moi, aujourd'hui, le film d'action m'ennuie et me laisse de marbre. Il s'agit toujours de terroristes avec une bombe, toujours un avion qui va exploser. C'est sans cesse la même chose. C'est pour cela que j'ai déclaré que je ne voulais plus en faire. En revanche, des longs métrages d'aventure, ça je suis encore client. Des films comme Spartacus, Le Pont de la Rivière Kwai, Lawrence d'Arabie, des classiques de cet acabit, ce sont des films merveilleux. Ça me plaît, comme Docteur Jivago. Car il n'y a pas que de l'action, mais aussi de la romance et de la passion. Et ça, c'est important. Vous savez, je suis dans une situation un peu difficile, car ce n'est pas comme Schwartz, Harrison Ford ou Bruce Willis. Moi, le public m'identifie complètement à deux personnages, Rambo et Rocky. Le public me voit comme cela. Les autres comédiens que je viens de citer n'ont pas ce problème. Les gens disent Arnold, Bruce. En ce qui me concerne, on dit Rocky, Rambo. C'est une chose complètement différente. Et ça va prendre un peu de temps pour me défaire de tout cela. La meilleure façon pour y arriver, c'est de travailler avec de brillants acteurs qui font que vous n'êtes pas le seul à avoir le film sur les épaules, à être responsable. Je viens par exemple de terminer Copland avec De Niro, Harvey Keitel et Eliota. Donc, je n'étais pas la personne la plus importante. Au contraire, je suis exposé. Et j'ai le devoir de montrer comment je travaille avec les meilleurs. Et ça fait vraiment une énorme différence. Vous ne savez pas quel dommage la superstructure a déjà subi. Je ne sais rien, je sais que dalle. Laissez-le, faut qu'on se tire. Non, je te dis qu'il est hors de question de le laisser crever comme ça. Ne laisse pas aller.